Salut à tous, c'est Gérard, je suis dans l'antre de Alibaba Logan. Alors là, on commence par du lourd. Vous voyez, il y a déjà des 2-3 GameCube qui traînent. Et ici, on a un appareil particulier qui s'appelle une FM Tones, avec une machine qui servait à répliquer les jeux PSP. On va passer au vif du sujet. On avance. Alors c'est un peu le bordel, hein, vous inquiétez pas. Mais là, ça va être vraiment l'arrachage des yeux pour ceux qui connaissent. Ah, regardez, il y a des vieilles Sony. Il y a du vidéo driver Sega. Il y a du TO7 Thompson. Regardez-moi ça. C'est l'orgie. Philips Video Pack. Des Master System. Notre ami Mario. On continue. Là, il y a des packs spéciaux. Là, on arrive sur une borne multisystème Retrobat. Voilà, j'essaie de l'avoir en entier. Voilà, donc ça c'est plein d'émulateurs. Et là on a une borne Darius EX, Darius Burst EX, qui permet à 4 joueurs de jouer en simultané avec un écran miroir géant. Ouais, c'est juste impressionnant. Un petit peu de figurines. Là on passe côté les 3DO, les Neo Geo, Jaguar CD. Dreamcast, il y en a vraiment de partout. Voilà. Donc le copain, il s'est fait sa petite install dans sa cave, avec son petit coin canapé, avec le kit DJ Hero. Et là on continue, il y en a d'autres, un peu partout, Commodore 64. Voilà, Sega Saturn, je vais peut-être un petit peu vite, hein. Lynx, la PCFX de NEC, Super Famicom, il y en a vraiment pour tous les goûts, PS4 édition limitée. Voilà, il y en a encore là, de la GameCube particulière, la PlayStation Anniversary, et encore et j'en passe. Et alors, il y a bien sûr des placards de partout en bas. Alors là, vous avez un écran plat dédié console spéciale, Neo Geo CD, PlayStation, un écran cathodique quand même pour le plaisir. Non, non, c'est une SF1. C'est une SF1, ah oui, donc c'est une Super Voilà. Famicom Intégré à la télé. intégrée à la télé. Regardez le port cartouche là. Voilà. Final Fantasy que je déteste. C'est PS2, hein. Parfait. C'est une C'est PS2. une PS2 là-bas. Intégré avec l'écran. Ok. Et il y en a encore dans les placards. Voilà. Le Sega avec le Sega CD. Super Nintendo, le kit Street Fighter 2 que j'avais eu un an en avance moi aux États-Unis. Et il y en a encore en dessous. Ah oui, il y en a partout. Hein. Il y en a de partout. Regardez un peu, c'est dégoûtant. C'est vraiment l'antre de Alibaba, hein, on va dire ça, hein, Oh, oui, c'est quand oui. même. Hein. Et encore, tout n'est pas installé. Voilà, t'as d'autres placards à montrer? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà, on va passer un petit peu aux étagères. Alors voilà, petite collection, il y en a de partout. C'est assez dégoûtant. Je pense que je ne reviendrai jamais ici. Ou je reviendrai avec plaisir plutôt. Faire quelques petites parties, hein, voilà, les amateurs de Xbox. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a là. Dreamcast, il y a du jeu de partout. Et il y a là de même une deuxième colonne de ce côté-là. Voilà, du méga CD, des cartouches de Game Boy de toute origine. Hop, alors je vais un peu vite, hein. Mais c'était vraiment histoire de vous montrer qu'il y a des passionnés, des gens qui collectionnent vraiment énormément de choses, même des saloperies comme Pocahontas CD, quoi. Non, c'est. Pour Sega, C'est pour Sega Pico. Pico, Sega Pico. c'est vraiment de la merde. Oui. Voilà. Mais bon, quand on aime, hein, on ne compte pas. Donc voilà, petit retour sur les bornes, hein, qui sont bien, bien dédiées. J'ai failli casser un truc. Sega Pico. Sega Pico pour les gamins. Voilà, ça fait les mongoloïdes que nous sommes aujourd'hui. Exactement. Voilà, Darius EX, la masterpiece de la collection. Qui tourne en 110 volts, hein. Parce que pourquoi s'emmerder?
c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt. Tu t'es plus pour Wawa, toi.